Bonjour dans le Seigneur. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Verset du jour, je fléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions. Psaume 119, verset 59. Avec la parole de Dieu, tu mèneras une vie inspirée et inspirante dans le nom de Jésus. Du soleil levant au soleil couchant, que tous chantent le nom du Seigneur. Amen. Toutes les peuples que tu as créés viendront éternels. Ils se mettront à genoux devant toi, Seigneur. Ils te rendront gloire pour l'éternité. Selon le psaume 86 au verset 9, ton peuple viendra à tes pieds pour te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Voici le temps, voici le lieu, il est l'heure de réveiller les héros qui dorment, ne sachant pas qui ils sont. Qui sont les héros? Je crois que ce sont tout simplement ceux qui ont le courage de dire oui à Jésus, ceux qui ont le courage de laisser le maître de l'univers diriger leur vie, ceux qui ont le courage d'avoir l'air fou parce qu'ils ont en tête une cause plus grande que leur réputation, ceux qui n'ont pas peur de plier les genoux pour prier en tout temps, même lorsque la situation a l'air désespérée, parce qu'ils savent que celui qui prie est fidèle pour agir. L'heure du repos est passée. L'heure de l'action a sonné. Vous êtes ces héros. Vous êtes de cette génération. Vous êtes choisis. Vous êtes appelés. Voici l'heure. Levez-vous, brillez.